Les pilotes sont tendus. À deux pas d'ici. Deux mots. Niet Vaina. En russe, ça veut dire non à la guerre. Ce que nous défendons, pour reprendre le mot de Kessler, vous savez, on défend pas le bien et la vérité absolue avec l'Ukraine. On défend une demi-vérité contre un mensonge absolu, comme disait Kessler au XXe siècle. L'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, pas du tout. Ouais. Mais là, il y a quand même, entre les deux, il faut pouvoir choisir et il faut dire lequel il faut soutenir maintenant. Oui, stop, top, top. Offre non cumulable pour votre santé. Alors profitez-en. Quand même. Mais qu'est-ce que t'attends? Prépare-toi, on y va. Et allez, Ce qui est embêtant, c'est pas tellement que certains aient des opinions d'un côté ou d'un autre, c'est que ça s'inscrit en fait dans des infrastructures numériques de circulation d'informations qui sont hautement manipulables. On a regardé les différents conflits sur la Guadeloupe, la Corse, la question vaccinale, l'Ukraine. Hein, sur tous ces conflits, vous avez en gros 3000 comptes, sur Twitter je parle, vous avez en gros 3000 comptes qui sont toujours là à essayer d'amplifier ce côté conflictuel, ce côté division. Et le problème, c'est que avec 3000 comptes, vous arrivez à manipuler tout ce qui est les recommandations des grandes plateformes numériques. Donc vous arrivez à être dans les tendances Twitter, par exemple, qui après sont vues par 15 millions de personnes. Et donc vous avez un bras de levier qui est absolument incroyable, qui est en fait du défaut de conception de ces plateformes. Puisqu'encore une fois, ces 3000, c'est la liberté d'expression en France, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils aient comme ça un tel écho et qu'ils arrivent à impulser certains narratifs au niveau de la population française. Deux mots. Niet Vaina. En russe, ça veut dire non à la guerre. Que fait-on de ce que l'on voit? Effectivement, on a les yeux ouverts, on voit ce qui se passe. On voyait ce qui se passait, ou d'autres voyaient ce qui se passait pendant la montée du fascisme en Europe. On voyait ce qui se passait à la fin des années 90 dans les Balkans. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc la question, c'est finalement, que fait-on de ce que l'on voit? Et quelle est effectivement notre tentation à vouloir échapper à la réalité que pourtant on observe? Et à quel moment est-ce qu'on considère que l'événement qui est devant nous, on le traite pour ce qu'il est? Nous avons devant nous un événement comme d'autres l'avaient à d'autres périodes. C'est les bombardements massifs et le siège de Kiev. Il faut qu'on traite cet événement-là et qu'on l'analyse à l'aune de ce qu'il est. Le rire du sergent. Le rire du sergent. Le rire du sergent. Le président Poutine, qui a lancé la plus grande opération de guerre psychologique et informationnelle à destination de nos démocraties, c'est-à-dire encourager toutes les sécessions, toutes les divisions. La Russie de Poutine a encouragé non seulement le Brexit, non seulement l'élection de Trump, non seulement soufflé sur les braises de toutes les divisions sociales, mais a encouragé des théories du complot en ayant recours à des stratégies de communication qui ont été directement inspirées de ce qui a été développé par Cambridge Analytica, qui avait des liens avec la Russie, c'est-à-dire un ciblage psychologique de personnalités rendues fragiles, sensibles à la diffusion de théories du complot qui servent in fine l'objectif du Kremlin, qui est de rendre impossible le fait de s'entendre sur des faits. Le rire du sergent. Et finalement, peut-être que les joueurs d'échecs, c'est plus nous que lui. Ceux qui en ce moment sont en train de se demander quel coup est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre est-ce qu'il faut y aller, etc. Peut-être y a-t-il plus de joueurs d'échecs du côté occidental et quelqu'un qui est en train de retourner la table et le jeu face à nous. Et peut-être que la tactique, au mauvais sens du terme, est plus de notre côté que dans la tête de Poutine. Absolument, on est prévisible pour lui alors qu'il est pour nous imprévisible et ça rend la situation très compliquée. On l'a été un tout petit peu moins quand même, je pense qu'il a été surpris. Mais moi j'aime bien rappeler toujours la phrase de Kasparov. Il a dit ça il y a 10 ans déjà. Arrêtez de dire que Vladimir Poutine joue aux échecs. Aux échecs, nous avons des règles. TikTok, TikTok, TikTok. Il faut quand même toujours rappeler que TikTok appartient à un géant chinois. Et là, bien évidemment, en Chine, les mêmes méthodes sont appliquées.